C'est toujours un réel plaisir d'accueillir une femme haïtienne artiste. C'est quelque chose qu'on n'a pas trouvé facile dans les secteurs rap, compa, hip-hop, racine et reggae. Bon, quel que soit ça lié, c'est bon bagage qui est aussi facile. Je dis à la, nous avons une artiste haïtienne qui rentrait dans la ville Miami et qui passait dans la cour Miami Tight. À l'intérieur studio Miami Tight ou bien en plein air de Miami Tight qui nous fait connaître Salgena Diakoutli qui s'est porté pour la communauté haïtienne et pourquoi pas les Antilles, Martinique, Trinidad et Tobago, cette fois cette quitte les Caraïbes parce que nous sommes tous combinés et Caraïbes là. Ceci dit, là nous parlons d'une femme haïtienne. Nous ne voyons pas, elle mourit au niveau des femmes haïtiennes. Nous avons un rap là qui a fait la relève, là, nous dit la relève, comme si nous venions bien en pile femme, nous avons la dame de Izzy, comment on les appelle, notre petite demoiselle, qui c'est Blaise One, comme si je ne me trompe pas, la dame de Blaise One. Chanzan. Chanzan, moi en pile notre petite dame qui a battu très haut. C'est un effort qui a développé au niveau de rap. Ce sont des bagages que nous avons besoin au niveau des racines. On a besoin partout pour femmes haïtiennes représenter le mouvement haïtien. Avec nous, on est live dans la cour Miami. Nous avons la belle créature, beauté créole, qui c'est Jouf, Piment, Maggie. Elle va complètement définir. En fait, on a dit Jouf. Est-ce que c'est pas Jouf que nous avons mangé hein? Ou bien est-ce que c'est même Maggie qui a rapport avec Maggie? C'est qu'a fait Jouf. Est-ce que tout est en forme? Ah, les mougas et moi en forme, donc on basse. Je m'a salué tout le monde qui est là, c'est Imo Edop, Monsieur Lefranc, respect, un peu de respect pour vous, que Miami Tight a fait un peu de bel travail pour la communauté haïtienne, je remets ça en pile. Un peu de respect, un peu de respect, much love pour nous-mêmes, pour tout ça que nous faisons, pour haïtiens, représenter haïtiens de tous côtés, parce que nous avons besoin de montrer nous-mêmes haïtiens. Image que nous avons nous-mêmes, nous avons besoin de montrer une autre image qui ça nous a fait, qui ça nous a fait. Pour aller avec la question, J-Wolf lui-même, ce n'est pas J-Wolf qui est manger, ce n'est pas J-Wolf. Okay. C'est un capitaine. Okay. Capitaine, ce n'est pas moi qui est avec tête, mais regarde là, c'est nous l'armée qui m'a tiré, l'armée est en bas. On l'a dit la même, pour que les gens qui ont tiré, qui ont fait un gros entraînement. Bon, les gens qui ont fait c'est lyrics qui ont flow. Et puis, les munitions, c'est beat. Avec les gens qui ont fait c'est là ça a été gradé le capitaine. Et Joe Wolf lui-même, c'est J pour nommer Wolf. Je lui dis Gina Wolf, Gina bon, Gina top, Gina méchant. Dans le rap, c'est ça que je lui dis. Bon, je parle de J Wolf. En pile, mon Haïti prend J Wolf comme J Wolf qui met dans le manger. Bon, il n'y a pas de problème à ça. En tout cas, nous tous découvrons. Oui, là, Jouf, là, c'est Gina, c'est première lettre non, si je ne me trompe pas, ouais. C'est ça. Première lettre non. Jouf, c'est un plaisir pour nous accueillir. Nous avons toujours dit ça souvent que la femme haïtienne, il manque combiné au niveau d'artiste haïtien. Parce que nous n'avons pas, nous pas junior, et nous n'avons pas junior, pour le moment actuel, nous venons de junior. Donc, je regarde au talent là, et je suis dans tout mouvement que moi qu'on a fait. Je regarde moi chanter et me sentir rap de toi fort en haut. Et dis-moi comment compte ça sorti directement. Bon, pour bien dire, moi-même, je pas choisi artiste. Artiste là, c'est dans moi-même, c'est dans Venré. Papa, c'était un grand musicien. Papa, c'était percussionniste pour Toto Nécessité avec Rodrigue Millier. Monsieur Guénon? Oui, c'est Monsieur Hélène Innocent, c'est John Ono qui est un artiste. Monsieur, c'est un percussionniste. Monsieur fait un pile travail dans Et tu es là ou bien pour business haïtien? Pour business haïtien, non, pour musique haïtienne, parce qu'il travaille avec Rodrigue Millier et toute nécessité que tout le monde connaît. Bon, musique là, c'est ensemble pour les. Pour rap là, lui-même, je ne suis pas trop, je toujours dit ça dans toute interview, je ne suis pas rap. Okay. Juste je chanter, je juste la musique. Mais l'on dit chanter, quel genre de qualité de chanteur tu choisis? T'as coup racine, compas ou bien quelconque? Bon, pour bien dire. Chanter, je voulais chanter dans tout sens. Dans tout sens, je voulais représenter racine dans tout parce que grand-mam lui-même, lui travaille dans sa empile pour la question vaudou, pour représenter la culture haïtienne. Bon, moi-même, je voulais continuer trace. Mais après ça, je voulais comment je parce que je voulais marcher, ou dois marcher avec le temps. Okay. Pour faire valoir le vent. Non? Okay. C'est ça que fait. Je suis entré dans la mine en bas. Comme un capitaine. Et faut la son rappel ou mec. Il se rappelle monsieur c'est one shot si nous allons sur YouTube nous cliquer one shot n'a joindre toute vidéo monsieur tout travail monsieur fait. Okay. Monsieur c'est professeur. Professeur. En tout cas Miami Tight live et nous gagne
capitaine. Mais écoutez, comment se fait ou si on fait pour le bon capitaine? C'est parce que dans tel groupe là, capitaine. Bon, et nous, bon, on quitte ça. Parce qu'on pensait que l'autre capitaine. On passe pour plus de bon. Capitaine, que m'apprécie Gouvouyo, m'apprécie la façon qu'on chante, et me surprise de m'apprendre des musiques, on prend tant de m'apprendre des musiques. Moi, des fois, on a envie qui montrait qu'on sont femme. Et des fois encore, moi, rentrer côté que moi, bon, on rap tog, on rap qui c'est rap ghetto, que m'apprécier et moi, toutes les qualités, ça, on a. Comment sentir ou même, comment mon Haïti ou accueillir ou bien. Bon, on connaît rap là, lui-même, c'est former tes énergies. Rap ou pas qu'à faire rap, parce que rap, c'est où son message, vous voulez faire passer directement. Donc, exemple, d'après la recherche, moi, t'as fait, que esclaves ont été pour le rap. Yo rap entre eux-mêmes, les ont besoin de yon bagay, yon besoin de font message passer entre eux-mêmes, c'est rap yon te kon rap. Bon, pour bien dire, moi-même, je représente Ghetto, je représente Belém, je suis un capitaine, je fais Belém, je lève Belém, et tout ça m'a fait, je ne vais jamais me cacher, je dis, n'importe côté, je dans n'importe interview, toujours dis, je représente Belém. Je voulais montrer Belém, il y a des bagay positif qui sortent là-dedans tout. Et positif, il faut avoir énergie pour qu'il arrive sur mon yo. Si je ne pas mettre énergie, bon, comment je peux arriver sur mon yo? Déjà, je suis fille. Tout le monde toujours pense que fille pas gagner énergie, fille pas gagner énergie. En tout cas, évitez-moi de regarder, évitez-moi maintenant à regarder et faites-moi attendre de moi. Peut-être que nous avons une interview là, peut-être découvrir qui est ce capitaine Jouf. Faites-moi une adresse ça sur YouTube, comment vous regardez nous. Bon, depuis nous aller sur www. youtube.com depuis nous cliquer Captain Jewof qui écrit K-A-P-T-E-N Jewof G très union R-U-F-F. Nous avons tout le travail Captain Jewof fait et c'est pas seulement en Haïti, nous faisons un petit travail au Brésil tout, nous travaillons fait avec Brésiliens que nous allons découvrir ça dans l'album. Il y a un peu de surprise dans l'album pour tout Haïti. De toute façon, Miami Tide avec Captain Jewof et Monsieur Lefranc là, parce que nous connaissons depuis l'entrée que soit artiste qu'il y a. Nous supposons faut-il parler avec nous, pas quitter ou rentrer pour la guerre du bois, prendre comme ça. Quel est le but de votre voyage exactement ici? Bon, le voyage là, c'est finir l'album là, et puis pour me prendre un et puis pour me descendre à Haïti avec le fanatique, moi, le capitaine, moi, très longtemps. Je n'ai pas besoin de venir. Si je comprends que l'album est là, en préparation, c'est ça. Et vous avez quelques singles déjà dans la rue ou bien quelconque? Oui, déjà quelques musiques dans la rue. Si on pas couvrir l'album, ça va le faire premier album. Non, moi j'ai déjà un mixtape, moi j'ai déjà sorti qui c'est Haïti, mais moi qui est un pile monde qui c'est fanatique Captain, connaît ça très bien, qui sont mixtape Haïti, mais moi qui devrais montrer Haïti, mais Captain Jewof. Bon, qu'on y a là, album non, lui-même il va découvrir qui est ce qui bon Jean Captain Jewof. Captain Jewof et puis nouveau album qui va devoir présenter très bientôt. Est-ce que Captain Jewof ou bien quelqu'un artiste qui est très connu qui est invité dans l'album? Oui, il y a un pilatiste, mais c'est surprise. Oui. Surprise. Et est-ce qu'il y a des femmes qui participent là-dedans? Est-ce que vous pouvez faire découvrir le talent femme? Oui, il y a besoin de ça. Mais on connaît les gens difficiles, mesdames, vous pouvez participer parce que, bon, quand même, il y a besoin de femmes. Est-ce qu'on ne trouve pas seul dans le mouvement rap là pour que. Ou est-ce en pile garçon dans le mouvement pour rentrer dans la bataille? Comme ça, vous sentez au café face avec tout le monde? Bon, ça, moi, je suis en pile. Mais il y a des filles déjà qui ont travaillé longtemps. Qui travaille dur, je respecte le courage, je respecte ça, je fais déjà. Mais dans ce moment là, je connais un pile femme, ça m'a dit, mettez plus d'énergie dans le rap là. Parce que nous besoin de monter garçon, nous avons fait ça, nous avons fait tout. Femme rap tout. Donc, il y a un programme que j'ai gagné avec Money Mike qui était femme rap tout. Mettez plus d'énergie, ça me donne même des mesdames, mettez plus d'énergie dans le rap, y a fait yo. Parce que messieurs, yo en pile, nous-mêmes, nous pas en pile, nous besoin. Vous avez un rappeur haïtien, vous avez un rappeur haïtien qui est inquiété? Non, je ne sais pas ça. Vous avez un rappeur haïtien qui influence ou apprécie la façon qu'il chante? Oui, longtemps, mais quand il y a la liste. Et c'est qui est-ce? C'est Eud a fait musique longtemps, Eud a chanté avec Cousin. Ça l'est assez bon, Eud a travaillé avec Cousin, qui c'est Izili. Je me dis toujours pas la Izili, me dis Izili, moi mes gentilles dames faire mon bagaille, me dans même faire participer tout, me dans même faire rap, il te dit Jim, elle continue l'école, Izili respect vous, me va regretter ça, elle continue l'école ou elle. Le style de Jewof montrait que il pas peur personne monde. Qu'elle était isolant, qu'elle était fantôme, qu'elle était manimaille, quel que soit, elle était monsieur le frère qui paraît devant la plaguer rap sous.
la plaque freestyle sur lui parce que le papa est monde, le papa est garçon, le papa est femme. Parce que la façon que je regarde et Captain Jouaf qui a déposé sur YouTube, qui a déposé sur Miami Tight, et ça impressionne que pour me dire Captain Jouaf a besoin de backup à toute la presse qui pour montrer que nos besoins de femmes haïtiennes pour venir faire mouvement. Captain Jouaf, déplacement c'est pour que promotion pour l'album ou pour prêter l'album, pour faire l'album sorti. Et combien de musique qui est sur l'album? L'album a 13 musiques là-dedans. Il y a un show avec un outro qui lui fait 13, qui lui fait 15 musiques. 13 ou 14 musiques quand ça rentre? Yes. Ok, et qui est-ce qui est sponsor maintenant? Bon, moi j'ai Selassie Production avec Vivario qui m'a fait backup. Mais puis le backup là sorti dans moi-même avec force pour ajouter le travail moi parce que moi je voulais faire un bagaille. Et en plus, je t'ai ramené représenter pour montrer que Fio a fait un pile bagaille tout. À part de rap, est-ce que Captain Jouaf a l'autre bagaille qu'il fait comme métier personnel? Mon métier personnel, moi je travaille avec Timon Larry qui est enfant soldat. Timon Larry, ça y est, nous connaissons comment il est, nous faisons une session pour lui avec Vivario. Quand il y a là, nous venons de footballer là-dedans, Timon qui était dans la rue, il a fait bagaille drôle. Quand il y a là, nous venons de footballer, il est à l'école. Il y a 750 personnes qui sont responsables dans le barrio pour manger, pour le sport, pour le dessin. Quand il y a un peu de personnes qui ont commencé par des vibrations, rien. Est-ce que c'est ça en fait directement qui pour rentrer l'argent dans la poche Captain Jouaf? C'est ça. Bravo. Et Captain Jouaf a travaillé et Captain Jouaf a travaillé sur l'autre projet qui est capable de faire le riche ou l'autre projet qui est capable de rapporter l'argent. Captain Jouaf sous deux personnes, n'est-ce pas? Menti, caméra. Menti. Captain Jouaf